Je m'appelle Pierre Deladonchamp. J'ai 8 ans. Je viens vous présenter Nos années folles d'André Téchiné. Inspiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de Paul Grappe et de sa femme Louise. Paul est réquisitionné au front pour la Première Guerre mondiale. Il supporte pas, il s'automutile pour être réformé. Et comme il voit que ça va pas marcher, il s'évade de l'hôpital. Et sa femme lui dit « Je vais te déguiser en femme pour pas qu'on te reconnaisse ». C'était pas forcément une envie, mais en tout cas, quand on me l'a proposé, j'ai ressenti ça comme un cadeau. C'est fou pour un acteur d'aller jusqu'au bout de cette transformation. C'est toujours assez impressionnant parce que je trouve que voilà, changer d'identité sexuelle, c'est quelque chose quand même. On a fait beaucoup d'essayages, de maquillage pour être à la fois dans l'époque, mais dans quelque chose d'assez moderne. Folle, c'est pas un homme folle, c'est une femme folle qui vit dans l'excès et qui est perdue. Suzanne ne m'a pas manqué après le tournage et je suis très heureux de la revoir à l'écran parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. Sans les lunettes ? Ouais.